l'événement Inspiration Végétale. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous lançons la 5e édition de Inspiration Végétale, qui est un festival de la nature en ville, ici à Montrouge. Nous, on a un concept à Montrouge qui est simple, c'est la densité heureuse. On pense qu'être dans une ville dense, ça permet des échanges, mais on veut qu'elle soit heureuse. Et la verdure, la végétalisation, la biodiversité, c'est un élément très fort de cette densité heureuse. Voilà. Et on essaie de combiner tout ça pour qu'on soit bien à Montrouge. Quand je vois tous les Montrougiens qui sourient, aujourd'hui et demain, eh bien, je suis très content. Je suis Claire, je suis la vice-présidente de l'association des Jardins Jean Jaurès qui exploite cette parcelle qui nous est prêtée gracieusement par la mairie de Montrouge. Ah, les inspirations végétales, c'est quand même un moment assez immanquable. C'est à la fois la place effectivement au végétal et à la nature, mais aussi à une forme de création et d'intervention artistique que moi je trouve assez géniale. Pourquoi on a eu envie de faire inspiration végétale? Pour rendre heureuse notre communauté et pour rendre heureux les gens. Elle a les mots. Mathilde, on habite à Montrouge depuis 3 ans bientôt. On a eu Gaspard il y a 1 an et demi. C'est sympa avec les enfants, avec les animations, la cuisine ou même pour empoter les fleurs. Enfin, on retrouve les restaurants qu'on connaît où ça nous permet d'en connaître des nouveaux. Et puis même tous les ateliers, ça resensibilise quand même sur les sujets importants aujourd'hui. Puis pour les enfants, ça permet d'avoir des premières notions. Je trouve l'animation qui fonctionne bien là, ouais. C'est la petite machine. Avec toutes les inventions pour les petits, c'est un miracle, c'est très bien. Je suis Monsieur Marcadet Olivier, spécialiste bonsaï, donc j'expose à Montrouge tous les ans. C'est pas qu'un travail de vendre, c'est aussi un travail d'explication, d'éducation des gens. C'est un bonsaï, c'est un produit un peu technique quand même. Oui, les exposants, oui. On se suit les uns à les autres sur des expositions déjà chaque année ici. Donc on se connaît, c'est un peu une famille, on va dire. Hein. C'est un beau rendez-vous, Montrouge. C'est le préservement de la nature. Grâce à l'écologie, on va sûrement conserver notre avenir. Même si Montrouge dans le monde, c'est rikiki, et ben ça va quand même faire avancer le monde. Et si tout le monde suit l'exemple de notre ville, le monde, il n'y aura que du vert. Grâce aux bonnes actions des Montrougiens. Le rêve est permis, hein.